Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Encore plus fort, plus fort. Yeah, yeah, yeah. Par lequel Dieu va passer pour faire la délivrance. Attends plus fort, le maréchal de la brigade est distancé. Merci le pasteur Philippe, mais qu'on acclame Jésus, on ne m'acclame plus. On est d'accord, non? Merci pasteur. Mais qu'on acclame Jésus, on ne doit plus m'acclamer. Et je ne sais rien. On m'acclame avant lui. Quand il est déjà acclamé, je ne peux plus être acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Mon fils, il n'a pas de rien faire. Il veut honorer son père, mais le plus grand père de Dieu. Quand tu l'as déjà introduit, frère, moi je suis trop petit. Si tu as introduit Jésus, je suis petit, hein? Ouais, parlant de ça, là, il ne peut pas gérer. Ah, il rit de m'élimer. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de préparer la rentrée. Ça nous rentrons en 2016. Amen. C'est une année de victoire. Amen. Tu dois comprendre ça. 2016, c'est une année de victoire. C'est-à-dire, c'est que tu n'as pas gagné là. Tu auras ça en 2016. Amen. Tu rentreras en 2016. Mais je prophétise que tu rentreras en 2016. Au nom de Jésus. Tu rentreras en 2016 au nom de Jésus. Amen. Tu auras ton visa. Tu auras ton mariage. Dans le nom de Jésus. Elie la gona mon magere gemuo. Gere gemuo aki biao. Abiawela gona mo magere gemuo geregemu akibia o choisi. Si vous voulez critiquer moi, insulter moi, c'est lui qui m'a choisi. En mon salaire, pour annoncer la bonne nouvelle, pour attaquer la sorcellerie. Chacun a son don. J'aime beaucoup l'émission France 24. Quand vous écoutez les gens, qu'on aborde un sujet, si un pays, je voyais au Rwanda, on dit, voici, on a vu un monsieur spécialisé en Rwanda. C'est-à-dire le métis du Rwanda. Vous savez, c'est ce que les gens doivent chercher à savoir. Il faut que Dieu vous spécialise dans un domaine. Quand vous êtes spécialisé dans le domaine, vous êtes encore plus loin. Amen. Amen. Dieu ne joue pas. Il nous a spécialisé dans le domaine de la sorcellerie. Il n'y a pas, il n'y a aucun mystique. Je vais rentrer en 2016, proprement, par rapport aux leurs menaces. Et puis je verrai ce que chacun d'entre eux. Je suis en train de négocier une émission avec tous les sorciers féticheurs de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se parle et qu'on nous respecte. Qu'on respecte l'église de Dieu en Côte d'Ivoire. Amen. Là où il y a la vérité, on le saura. Amen. Quand il y a une église, l'église est porteur de vie. Le fétichisme, c'est la mort. Parce qu'aucun fétiche, aucun fétiche n'a fait évoluer l'Afrique. C'est la civilisation est venue de l'évangile. Ça ne se discute pas. C'est ça que vous allez voir, l'histoire est là. C'est ça que vous allez voir que nos parents sont passés par l'église, l'école catholique. La civilisation est partie
de l'évangile, la parole de Dieu. Amen. Amen. Les pétitions ne peuvent pas vous apporter une éducation. Il vous dira, allez attraper un cabri, un mouton. C'est ça, on a besoin d'Afrique? Non, il faut qu'on avance. L'état des cabris, moutons, ça s'est passé. C'est du Moyen-Âge. Nous sommes en train d'évoluer, les plans sont en train de créer. Les voitures n'auront plus de chauffeurs. Les GPS, on avance. Arrêtez vos histoires de sorcellerie. Vous savez, il faut être convaincu de son appel. Quand tu n'es pas convaincu de ton appel, tu doutes de ta personnalité. Parce que tu te dis, tu es en train de faire comme les autres. Je suis convaincu de mon appel. À mon soleil, amour. J'aime la louange. Amen. Amen. Parce que Dieu sait dans la louange. Amen. 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 Ah, les gens disent, le prophète, on est que tu chantes Zouglou. J'ai dit, écoutez, c'est pas Zouglou. Hein. Quand vous partez au village, là, à l'église, là, c'est percussion et la voix. On ne cherche pas à respecter. On s'en va. Non, on ne connaît pas son village. Je suis un villageois. J'ai même ma maison dit, non, c'est pas du Zouglou, c'est du style chaloum. Chacun donne son nom à sa musique. C'est vous qui voyez Zouglou à ça. Non, moi je prends du village et puis je viens moderniser ça. C'est pour ça que les gens disent traduit moderne. Moi je suis en train de moderniser le gospel. Je suis en train de changer le système. On est trop dans des choses précaires. On doit avancer. À mon salut, amour. Les Allemands aiment ça, il y a des Blancs qui aiment ça. Ils chantent ça, oui. Je suis suivi dans le monde, par 168 pays. J'ai vu des Blancs qui aiment ce qu'ils chantent et de chanter. Ils ne comprennent pas. Il faut valoriser. Vous savez, quand vous êtes. Dieu vous établit sur une nation, n'est-ce pas la culture de cette nation et qu'il faut valoriser même ailleurs. Amen. Ça, c'est important. Les gens doivent aimer ta nation à cause du fait qu'il y a une onction spéciale sur ta vie. Les gens commencent à aimer la Côte d'Ivoire à cause du fait qu'il y a une grâce spéciale sur ma vie. C'est ça. Tu ne sais pas tromper pour choisir quelqu'un en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Donc j'aime ma culture. J'allais faire quoi chanter en anglais. Il faut que ça. J'allais faire quoi chanter en français. Ce n'est pas ma langue. Je suis désolé. À mon seul. À Paris, il dit, je viens le pasteur Philippe, je viens avec mon pianiste, je viens mon batteur,
Je viens avec mon percussionniste. Et puis je viens avec Armel. Le pari, c'est grave. Vous allez vomir jusqu'à un crapaud, vous allez sortir crapaud sur de vos bouches. C'était trop là, j'étais seul. C'est vrai que les gens essayaient de chanter, mais j'étais tout seul. Amen. 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 Parce que quand Jésus a commencé son ministère, il va sélectionner des gens qui pouvaient le comprendre. Il va les amener à pousser sa vision. C'est ce qui a amené Jésus à réussir son ministère. Il n'a pas fait seul. Il y a eu les 12. Même si on pense qu'il y avait un démon parmi eux, mais ça l'a aidé à avancer. C'est ce que je suis en train de dire aux gens. Il faudrait que toute cette équipe-là m'accompagne dans cette croisade. Nous repartons, nous allons reprendre encore une tournée. Vous allez voir que ça va porter fruit. Vous allez essayer de, vous allez revoir des gens qui reviendront en Afrique pour investir. Notre présence là-bas va les amener à venir. Il faudrait qu'ils viennent investir, qu'ils n'aient plus peur de vous. Qu'ils n'aient plus peur de venir investir en Afrique. Ça, c'est vraiment important. Amen. 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 Monsieur, monsieur, enlevez vos bras pour vous tenir très bien. Parce que moi je suis très dangereux. Je peux t'envoyer un missile, un sol. Et puis ça explose ta tête. On est venu ici, il y en a qu'à se respecter. D'accord? Voilà. Il faut qu'on se respecte. Sinon, c'est qui tu fais là? Je connais ça 1000 fois. J'ai mis ton cul dehors. Allez doucement. À mon soleil, à vous. De 1000 yeux. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle comédie. Amen. C'est la comédie. J'ai rien dedans. Ce que vous faites comme sorcellerie là. J'ai rien. On peut vous aider. On peut vous aider. Ce que vous faites là, on a dit laissez ça. Laissez les enfants avancer. Amen. Sinon, vos histoires détruites. J'écris sur toi dans les livres où tu suis. C'est le meilleur tapeur. C'est le meilleur. Ouais. Alléluia. Je vous disais, quand vous voulez marcher avec des gens, marchez avec les meilleurs. Non, il ne faut pas marcher avec quelqu'un, il ne faut pas t'apporter quelque chose. À mon sang. J'allais griller ta mémoire tout de suite. J'allais perdre le réseau. Manger un plat. Je suis dangereux, hein? Je suis très dangereux. Je vous ai. Je ne te ferai pas, je t'ai dit, je t'ai vu. Je suis très dangereux. Je suis très dangereux. Vous venez passer mes affaires aux petits gens bizarres. Je suis très dangereux. Il y a Jésus à moi. Hein? Oh,
N'importe qui. Quand vous venez ici, soyez sages. Pourquoi vos démons là-bas vous en vous fatiguer? Vous allez commencer un combat, on va gagner. On est déjà vainqueur. C'est comme Kelsey As Divo. Qui gagne? Kelsey As Divo, vous allez dire le résultat. Non, Kelsey As Divo. Tu as voulu discuter. Kelsey a gagné. Vous voulez gagner un combat, vous voulez faire un combat, vous êtes déjà perdu. Vous venez ici, vous prenez Jésus-Christ, c'est mon camarade. Vous voulez jouer ici. Hein? Vous êtes ici, là, c'est déjà barricadé par le feu du Saint-Esprit. Amen. Donc, vos démons, là, n'ont pas vous donner de la sagesse. Sinon, vous risquez de perdre vos vies. Moi, je vous portais là. Moi, je suis porté de vie. C'est pour cela que quand tu me quittes, je demande au Seigneur, je négocie, je demande au Seigneur de te donner la vie, malgré tes attaques. J'aime l'homme. C'est ce qui est en vous là que j'aime pas. D'ailleurs, sa main est l'homme. Comment quelque chose lui boit le sang? Il ne boit pas le bissap. Il ne boit pas le vin. Tout ça, c'est rouge. C'est le sang rouge de l'homme là. Qui vient quoi? Amen. Amen. Moi, j'ai aimé ça. Nous travaillons pour que les gens soient délivrés et qu'ils vivent pleinement leur vie. C'est ça. Tu viens, tu entends, tu me vois. Tu veux jouer. Monsieur, je t'ai fait tomber tout de suite. C'est à moi, tu veux voir. Tu veux pas quoi? Je t'ai dit quelque chose. J'ai dit, il faut arrêter ta connerie de sorcellerie que tu es en train de faire. Le Saint-Jean est de parler. Donc, faut être sage. Sinon, il te fait brouter les herbes là tout de suite. Tu vas manger ça tout de suite. Tu vas manger ça tout de suite. Hé, hey, arrête tes conneries. Il faut aller doucement, et moi. Va doucement et moi, t'as compris? Monsieur, allez doucement et moi, d'accord? Vous êtes d'accord et moi? Allez-y doucement et moi, vous êtes d'accord et moi? Oui, mais donc allez doucement, ok? Allez doucement et moi, ok? C'est quand c'est les pédicheurs, eux, ils veulent faire spectacle, donc ils vont vouloir faire quelque chose. Moi, je suis un homme de Dieu. Donc, ce qui me caractérise, c'est la compassion, c'est l'amour. Maintenant, si tu veux contester mon appel, je te fais tomber. Je vais d'abord te proposer l'amour de Dieu. Si tu discutes avec ça, je te fais tomber. La gosia ziliwao, la gosia ziliwao, oh la gosia ziliwao. Yeah.
sur le